Yo les potes, la forme ou quoi? On est actuellement en live sur YouTube du coup. Je fais une petite vidéo sympa comme ça pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé durant les deux dernières semaines. Parce que bien sûr, j'étais pas trop actif. En gros, je suis parti en vacances. Mais j'ai quand même joué à Dokkan un peu à côté. J'ai fait des petites invocations, tout ça, tout ça. Donc on va voir ensemble ce que j'ai eu pendant ces deux semaines là. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir aussi. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, hein. Toujours pour soutenir la chaîne. Machallah, les émotes. Ah, ça va, ça fait plaisir alors. Ouais, du coup, alors, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, on s'était quitté la dernière fois, on s'est arrêté à cette ligne-là, donc j'avais eu le Gogeta LR, mais j'avais rien eu derrière. Donc, j'étais content, mais un peu mitigé, dans le sens où j'avais visé 350 DS et j'avais eu que le Gogeta. Vraiment que le Gogeta, et que du hors détecteur. Après, alors, j'ai eu quoi? J'ai eu un double Kefla dans les tickets, donc ça a pas mal du tout, ça fait plaisir. J'ai eu... Hop, on va remonter, du coup. Voilà, c'est à partir de là ce que j'ai eu. Alors, j'ai eu le petit Trunkstack. Qui est pas trop mal, qui peut servir, même si moi, dans ma super tech, ça va aller. J'ai eu le support que je voulais depuis un moment, le C17, ça, ça fait plaisir. Bon, petit kit boost, c'est un éveil d'Okan. Le Goku Namek, on s'en fout, c'est pour la collecte. Le Vegeta, pareil. Par contre, ça, ça fait grave plaisir. Pendant la finale du match de la France, dès qu'on a gagné, j'ai fait une petite multi. Et il y a le Gogeta qui est apparu, ça faisait un an cet enfoiré, je le chassais. Et il est enfin là, enfin là. Donc je l'ai mis Speedy avec les Daikai correctement. Je l'ai mis le petit arbre, ça fait grave plaisir. Un des meilleurs persos du jeu. Franchement, en RLR, je crois que c'est le meilleur perso du jeu. En RLR, je crois que c'est le meilleur perso du jeu. Je vous rappelle que il a une chance sur deux d'esquiver l'aspect et de la contrer. Augmente grandement son attaque et sa défense. Sur l'attaque spé, 120% de boost. Et c'est un monstre, hein. Il n'y a rien à dire d'autre, c'est un monstre. Il n'y a rien à dire à part ça. À part ça, j'ai quoi? Alors, j'ai eu le Janemba, mais le Janemba, je l'ai eu avec la déesse violette. Donc j'ai pris la petite DS violette, j'avais le choix entre Goku 4, alors en gros il me manque Super C17, mais bon je vais pas le prendre avec la DS violette, et Goku 4 et Janemba Pui. J'ai pris Janemba Pui, pourquoi? Parce que tout simplement je la trouve plus marrante à jouer la team Extrême Pui que la team Super tout simplement. La team Super je vais jouer des unités que je joue déjà souvent, c'est-à-dire le Vegeto Blue LR, voilà tout ce qui s'ensuit. Alors que là je vais pouvoir jouer Freezer et l'air, je vais pouvoir jouer mon Cell Pui, je vais pouvoir jouer mon Omega 100%, ça fait plaisir. Alors quoi d'autre d'intéressant que j'ai eu? J'ai eu le petit Raditz pour la collecte, le petit Zamasu, qui est une très bonne unité en soi, je suis très content de l'avoir eu. Le couleur, donc ça c'est le regroupement de ce que j'ai eu avec les tickets. Alors en gros si vous voulez, j'ai eu, après la vidéo que j'ai postée, j'ai fait un live où j'ai, d'ailleurs je l'ai pas upload, je sais pas si je le uploaderai un jour parce que j'ai un peu la flemme. Où j'ai usé 300 DS, donc sur les 300 DS je me suis fait carna complètement. Après j'ai remis 150 DS quand j'étais en vac, un truc comme ça, genre j'ai attendu les DS accumulés. Et les tickets aussi, donc les invocations journalières. Donc on a eu le couleur, je suis très content du couleur, très bonne unité. On a eu le super book que j'avais pas avec deux doublons, donc ça ça fait plaisir. Une excellente unité, j'ai monté le crit dessus, il heal, voilà. Très bon perso, j'ai eu le tapion. Le perso principal de la bannière, il fait grave plaisir aussi. J'ai monté Speedy gratos. Et qu'est-ce que j'ai eu? D'ailleurs là je vais vous mettre la vidéo, parce que j'ai record ce moment là, je l'ai mis sur Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à checker Twitter, allez vous abonner, ça fait plaisir aussi. Oui, j'ai eu le Gogeta LR sur ma dernière multi. Et ça ça fait grave plaisir. Le Gogeta, excusez-moi, j'ai dit Gogeta ou Vegeto? Enfin bref, Vegeto LR, je sais plus ce que je dis, c'est pas grave. On l'a monté SP20 avec les Daikai tranquillement, voilà. Du coup, on a les deux, on a Gogeta, Vegeto et LR. Le bilan, il est très positif au niveau des tickets et du coup, de la célébration. Donc, la petite DS rouge, j'ai pris le Vegeta et puis voilà, on a farmé le Barta, bien sûr. Donc, tous les jours, vous avez un nouveau perso du commandant Ginyu à farm gratuitement. Vous pouvez le SP10, il a un Dokkan, vous pouvez le mettre à 100% avec des orbes qui sont dédiés dans l'event, tout est gratuit. C'est excellent. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que j'ai eu dans cette célébration? Bah, Gogeta LR, Vegeto LR, Gogeta 4, le Janemba, je sais pas si on le compte parce que je l'ai eu avec la DS violette. Donc c'est les trucs à retenir que j'ai vraiment eu en 700 DS. Bon, après à côté, bon, il y a des petits trucs, voilà, d'autres que j'ai eu mais qui sont pas assez impactants pour moi sur mon compte. À ce niveau-là, ça, ça change totalement mon compte parce que ma super tech déjà, avec le tapis, avec le Gogeta, prend un up de ouf. Et bien sûr, ma team Int, team Metamol, je pouvais pas la jouer, la team Metamol, donc maintenant je peux la jouer. Et voilà, ça fait grave plaisir, donc je vous montrerai la petite vidéo où j'invoque Vegeto LR, c'est incroyable. Ah sinon, je la mets sur le stream, hein. Je sais pas si y a tout le monde qui l'a vu. Mais wesh les frérots, comment vous allez d'ailleurs? Désolé si je parle un peu beaucoup, hein. C'est @BUUSTACH.
Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait plaisir. Et bref, du coup, regardez, ça c'est la multi que j'ai fait sur Végéto. On va mettre le son, hein. J'étais chez Nick en fait, donc la chaîne théorie du jeu pour ceux qui connaissent. Putain, le lecteur de Twitter il est toujours aussi pourri, hein, y a rien à y faire. Rien à y faire. Hein. Bon, c'est pas grave, on va recharger la page. Avant que le Bon, débat c'est sur la fin du Battle Royale et puis que typiquement le roi Paul, c'est une excellente unité à jouer. Oui! Oui! Il y a tout ça qui vient de repérer Ah, je m'attendais tellement pas sur la dernière mutuelle à l'avoir. Ah, j'étais tellement pas. Ça c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Eh, hey, bim, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et bim, j'avais dit qu'il fallait invoquer. Oh, tiens ça. J'étais tellement refait quand je l'ai eu. Champion du monde. Ça va le son, c'est pas... Vous entendez, non? Moi bon, je peux pas trop regarder. Bon, ouais, j'ai eu, alors elle, elle est venue sur ma... Tout le portail, j'ai eu genre 3 fois. Oh merde. Sur le portail, j'ai pas compris. Donc voilà pour la petite vidéo. Ça fait bien plaisir. Hop. C'était quoi? C'était ça. Voilà. Ça fait bien plaisir. Donc voilà pour la petite vidéo news entre guillemets. Voilà pour dire que je suis encore là. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Je compte reprendre les ZTR fictifs avec Kowai. Donc il y en aura un qui popera d'ici la fin de la semaine normalement ou début de semaine prochaine. Et normalement c'est prévu de reprendre aussi les Dokkaning Challenge. On verra comment ça se goupille, c'est pas sûr à 100%. J'essaie de faire des... de voir un peu pour modifier un peu l'appli pour que ça soit plus fun. Merci pour l'abonnement Astro, bienvenue à toi. Et pour du coup ouais, pour avoir un joli overlay etc. Pour avoir un truc qui rend le truc plus fun. Parce que bon, je sais que ça plaît pas à tout le monde, que ça fait pas le plus de vues, mais moi ça me fait kiffer de les faire. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment bien tout simplement. Donc voilà, je vais continuer à les faire, même si c'est un peu plus de taf au niveau du montage, etc. J'aime bien faire ce truc. Donc voilà, écoutez, la petite vidéo news est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, ça arrivera plutôt vite. Portez-vous bien, ciao ciao.